Deuxième conférence de Georges Combes, que beaucoup d'entre vous apparemment connaissent, qui est un réalisateur de documentaires depuis de très très nombreuses années. Donc en s'appuyant sur son dernier documentaire sur les arêtes de Lyon, les souterrains un petit peu énigmatiques de Lyon, il va nous raconter sa rencontre fortuite avec le Graal. Ben, bonjour, je suis ravi de vous rencontrer. J'ai un peu honte parce que je vais être obligé un peu de parler de moi, alors que Stéphane a parlé de personnages prestigieux, John Boorman, Spielberg, etc. etc. Et j'ai appelé cette intervention Rencontre fortuite avec le Graal, parce que en plus je ne suis pas du tout spécialiste du Graal. Jean vous en parlera 10 000 fois mieux que moi. Je vais donc vous parler, vu de mon point de vue, comment je suis arrivé à m'intéresser. Ben, le Graal, je connaissais comme tout le monde, mais à voir comment le Graal entrait dans ma vie. Voilà. Et par le biais, bien sûr, de mon métier qui est de faire des films. Alors, je fais des films depuis donc très longtemps. pourquoi j'ai voulu. Alors, au bout de cette longue vie, on s'interroge, on se dit pourquoi est-ce que je fais des films ? Qu'est-ce qui m'a poussé à ça ? C'est ni la pas de l'argent, ça sûrement pas, de toute façon c'est raté, ni la célébrité, sûrement pas non plus. Et donc c'est la recherche. Dès le départ, mais je ne le savais pas moi-même, j'étais cherchant. Et une façon de chercher, c'est interroger le réel. Et qu'est-ce qui interroge le mieux le réel, du moins tel qu'il nous apparaît, donc disons les phénomènes, sinon le cinéma. Plus que la littérature, où il y a le média du mot, plus que la peinture, où il y a l'intermédiaire du pinceau, etc., ou du musicien, il y a l'instrument. Là, la caméra, elle se confronte directement avec ce qu'on appelle la réalité. Alors j'ai cherché à divers endroits, j'ai fait des films. Quand j'ai commencé à prendre un peu... Alors j'ai fait des films qu'on me demandait de faire, alors des fois, ce n'était pas des réalités qui me menaient bien loin. Mais d'autres fois, si, on m'a... par exemple, L'île des morts, sur Rachmaninoff et Böcklin. On en a parlé tout à l'heure avec Avalon, déjà, 92. Après, j'ai fait, un peu plus long, tard, un film sur Carnac, les alignements de Carnac, là aussi, qui invite à chercher, puisque personne ne sait vraiment à quoi ça servait. Après, et il y a eu, comme tout le monde, je suis tombé dans l'entonnoir de Rennes-le-Château, qui est une pépinière de chercheurs de tous azimuts, où il y a le Graal, l'Arche d'Alliance, les Templiers, les extraterrestres, etc. etc. Et puis après, je suis allé chercher entre Bruxelles et Saint-Jacques-de-Compostelle les secrets de l'alchimie avec Patrick Burenstenas. Ça m'a pris 7 ans, normal, pour faire le voyage alchimique. Un film qui dure 7h30, une sorte de mini-série. Et après, je me suis dit, je vais me reposer, je vais faire un petit film à Lyon, puisque je suis d'origine lyonnaise et que j'habite Lyon. Je vais faire un petit film sur, on parlait de souterrains sous la colline de la Croix-Rousse. Donc un film sur ces souterrains. Ça a été raté, puisque le film, il fait 3h30. Que quand je l'ai fini, je me suis dit, oui, mais j'ai pas dit grand-chose. Donc j'ai fait un livre. Qui est d'ici, donc, et le tout fait un coffret, donc un DVD de 3h30 plus un livre de 300 pages sur ces souterrains. Et puis après, on m'a dit oui, mais ça pourrait être au cinéma, donc j'ai fait une version cinéma sur ce sujet. Alors, qui connaît les fameux souterrains de la Croix-Rousse ? Bon, très peu de personnes, donc je peux en parler, vous expliquer ce que c'est. C'est des souterrains qui sont à Lyon, donc sous la colline de la Croix-Rousse. Si déjà, vous me dites, et le Graal, il est où dans tout ça ? La colline de la Croix-Rousse. La Croix-Rouge, peut-être ? Bon. Ah. Bon. Et ça s'appelle les arêtes de poissons. Ah, le roi, pêcheur, pêche des poissons. ça ne s'est pas appelé d'ailleurs tout de suite les arêtes de poissons. On a découvert ce réseau souterrain en 1956, par hasard, fortuitement. Pas les ouvriers de la mairie, pas moi. Hein. Et on les a appelés les épis. Parce que vous allez le voir, c'est fait en épi. Et puis, le nom a été changé très vite. Un technicien de la ville a dit, oui, ça fait penser à des arêtes de poissons. Donc, le nom officiel de ces souterrains, c'est les arêtes de poissons, ce qui renvoie quand même déjà la Croix-Rousse et les arêtes de poissons. On est déjà un peu dans le sujet. Alors,
pourquoi j'ai fait un film de 3h30, parce que personne ne sait qui a fait ces souterrains. On ne sait toujours pas. Les archéologues ont fait un rapport de 600 pages sur la question. Ils ont fait plusieurs hypothèses de datation. La dernière en date, c'est autour de l'an zéro, donc l'antiquité romaine, gréco, enfin, gallo-romaine à Lyon. Deuxièmement, c'est vraisemblablement juste, puisqu'ils ont fait des datations carbone 14, 10, qui donnent le même résultat à peu de choses près. Deuxièmement, une fois qu'on a dit ça, on est bien embêté parce qu'on s'aperçoit que les Romains ne construisaient pas des choses de ce type. Et donc ça n'entre pas dans l'univers romain. Ils avaient la capacité technique, technologique, humaine de faire l'ouvrage, et récemment c'est eux qui l'ont fait, mais sur un plan qui nous échappe et qui n'est pas romain. Et qui est-il? On ne sait pas. J'ai ma petite idée, je vous en parlerai tout à l'heure. Et troisièmement, à quoi ça servait? Et on sait encore moins. Tout ce qu'on sait, c'est que ce n'est ni des catacombes, ni un aqueduc, ni un égout, ni une circulation, ni un stockage. Stocker quoi? Parce que ce n'est pas très grand, en fait. Donc le mystère reste entier. Donc comme il y avait un mystère, je me suis dit, avec ma caméra, je vais essayer d'explorer ce mystère. Mal m'en a pris, puisque, comme vous allez le voir, j'ai fini par tomber sur le Graal. Donc, avant toute chose, on va peut-être vous présenter ce que sont ces souterrains. Donc, ce sont des images de synthèse, puisqu'un souterrain, par définition, ça ne se voit pas, c'est sous la terre. Donc, pour se rendre compte de l'architecture, il faut aller se promener sous la terre, voilà, la colline de la Croix. Allons-y. Il y a 32 galeries parallèles, comme les marches d'un escalier. Elles sont reliées à un couloir central qu'on appelle la dorsale supérieure. Les galeries se font face deux par deux. Une structure étonnante, d'où le nom qu'on a donné à ces souterrains, les arêtes de poissons. Toutes les arêtes ont une longueur de 30 mètres. Elles se terminent par un mur. À chaque intersection de ces arêtes avec la dorsale supérieure, un puits s'ouvre dans le sol, ce qui rend très difficile le passage d'une arête à l'autre. Les puits s'enfoncent vers ce qui semble être une autre galerie, 8 mètres en contrebas. Quelques-uns de ces puits remontent jusqu'à la surface du sol. Les arêtes, une nouvelle dorsale, exactement parallèle à la dorsale supérieure. Tous les puits relient cette dorsale inférieure à la dorsale supérieure au niveau de chaque arête. Et ce n'est pas tout. Le dernier puits, à mi-hauteur, s'ouvre une nouvelle galerie. C'est la galerie du gardien, dit-on, parce qu'une grosse pierre semble en surveiller l'entrée. Cette galerie particulière est plus longue. Elle forme plusieurs angles.
Elle a pour rôle de relier le réseau des arêtes de poissons à un autre ensemble de souterrains, un peu plus haut dans la colline et plus au nord. C'est ce qu'on appelle l'extension nord. Cette extension nord est également composée de deux couloirs parallèles à deux hauteurs différentes. Ces couloirs ne desservent pas des galeries en arêtes de poissons, mais des sortes de salles transversales. La structure et les maçonneries montrent que cette extension nord a été construite en même temps que les arêtes de poissons proprement dites. Les deux couloirs s'enfoncent sous le plateau de la Croix-Rousse. Jusqu'où vont-ils? On ne sait pas. Les extrémités est et ouest du réseau n'ont pas été déblayées. Les galeries qui ont été explorées, mises bout à bout, mesurent plus de 2 km. J'avance dans la galerie du gardien, en direction de l'extension nord. Bien, donc vous avez une petite idée de cet ouvrage qu'on peut raisonnablement définir comme un monument souterrain. Alors, quel type de monument? Qu'est-ce que c'est? Donc, comme je vous l'ai dit, personne n'en sait rien. Donc, je suis allé à la recherche de ce que ça pouvait être en questionnant les images. Alors, j'ai questionné la réalité, tout simplement. Et alors, quand vous frappez, on vous ouvre. Quand on pose une question, si elle est bien posée, on vous répond. Et donc, c'est la magie du cinéma. Vous mettez une caméra sur 3 pieds, vous inscrivez votre image dans ce qu'on appelle un carré long, 1x1,33 ou 1x1,66, et par des grains d'argent ou par des techniques numériques, comme ici, donc numériques, peut-être cabalistiques, guématriques, des images apparaissent. Et des images qui, peut-être, vont se mettre à répondre. Alors, qu'est-ce qui est... J'ai questionné la réalité et j'ai découvert plusieurs indices. Donc je vais vous les présenter maintenant, rapidement. Après, je vais vous présenter un extrait. Je suis désolé, il est assez long. Fait 10 minutes. Je voulais le faire plus court, mais je ne suis pas arrivé à le couper. Ce qui me permet de faire tout de suite une petite parenthèse, c'est que mon problème, mais je ne pense pas que ce soit que le mien de cinéaste, c'est la longueur d'un plan. Vous filmez un élément de réalité qui se déroule devant votre caméra, combien de temps ça doit durer? Alors si c'est une fiction, bon, bah, le temps de l'action, monsieur machin va tuer madame machin, le temps qu'il met pour l'égorger, bon, bah. Si c'est un documentaire, combien de temps ça dure? Si c'est un plan de la ville, combien de temps le faire durer? Et là, on touche un problème fondamental de notre société, de plus en plus fondamental, c'est que on est habitué, par la publicité, à identifier un plan à ce qu'il montre au premier degré. C'est-à-dire, vous filmez une maison, les gens vont dire, voilà une maison, point barre, et ils veulent passer au plan suivant. Sans se demander ce qu'il y a derrière cette maison, pourquoi on montre cette maison et pas une autre, et comment on la montre comme ceci, le jour, de nuit, en plongée, contre plongée, etc. Et là, c'est le questionnement qui fait la base du cinéma, en fait, a tendance à disparaître. C'est-à-dire qu'on a tendance à ramener la réalité à ce qu'on en voit de son écorce la plus évidente, la plus prosaïque, et on ne pense plus. On assiste à... Enfin, je suis désolé de dire ça parce que j'aimerais bien pouvoir dire le contraire. Malheureusement, je sens une perte de réflexion. Le mot réflexion étant juste, parce que réfléchir, on réfléchit sur l'image, l'image est en miroir, etc. Donc mes plans, quelle longueur je les fais? J'aime les faire un peu longs, puisque je les questionne, j'attends qu'ils répondent. C'est pour ça que l'extrait que vous allez voir, il sera un petit peu long, je suis désolé. Alors, quelles questions j'ai posées? 1. La colline s'appelle la Croix-Rousse. Bon, mais elle ne s'est pas toujours appelée la Croix-Rousse. Elle s'appelait au Moyen-Âge le Mont Sauvage. Le Mont Sauvage, et j'ai même trouvé dans une rue, une plaque de rue, vous allez la voir, qui s'appelle Montée du Mont Sauvage. Donc c'est pas une blague que je vous raconte. Qu'est-ce que le Mont Sauvage? Vous connaissez un peu le Graal, hein, chez Wolfram von Eschenbach, c'est Mount Salvage,
le Mont Salva, chez Wagner, Mont Salva, Mont Salvage, le Mont Sauvage. Alors, vous me direz, j'exagère. Ça s'appelait peut-être le Mont Sauvage, simplement parce qu'il n'y avait pas de maison à cet endroit-là, à la Croix-Rousse. C'était sauvage. Il y avait des ronces, des buissons, une forêt, peut-être une gaste forêt. Il y avait peut-être une forêt, donc, et sur une colline qui s'appelle le Mont Sauvage. Puis en plus, un peu après le Moyen-Âge, il n'y avait plus de forêt, il y avait une citadelle, un château, construit par Catherine de Médicis. Donc, un Mont Sauvage avec une citadelle. Le Graal commençait à montrer le bout de son nez. Et puis, la colline a changé de nom au XVIe siècle. Le Mont Sauvage, elle est devenue la Croix-Rousse. Or, dans le Mont Salvage, comme vous savez, qui est le château mythique du Graal, le Graal est gardé par des Templiers qui, comme vous le savez, ont une grande croix rouge sur leur cape. Donc la croix rousse, c'est peut-être la croix rouge des Templiers. Peut-être aussi la rousse croix. Et même certainement. Les lieux commencent à parler, vous voyez, ils commencent à me raconter une histoire. En plus, donc je suis parti sur l'idée d'explorer le Graal, et j'ai choisi de l'explorer à travers Wolfram von Eschenbach, qui nous montre qu'il y a des Templiers dans un château qui s'appelle Mont-Salvage. Et le Graal est, pour Eschenbach, assimilé à une pierre. Alors que chez Galien III, c'est plutôt une coupe. Or, à la Croix-Rousse, ceux qui connaissent un peu la Croix-Rousse, mais vous allez le voir, il y a au bout du boulevard de la Croix-Rousse une grosse pierre qu'on appelle le gros caillou. Donc, la citadelle a disparu, mais est remplacée par un gros caillou, comme un Graal à nu. Et vous l'avez vu tout à l'heure, mais on va en reparler aussi, vous avez vu que dans une des galeries qui relie les deux parties de ce souterrain, de ce monument souterrain, il y a une grosse pierre qu'on appelle le gardien, qui est exactement comme le gros caillou, sauf qu'il est sous terre et un peu plus petit pour tenir dans une galerie. Ensuite, le château du Graal, si on s'intéresse maintenant à Wagner, ben j'aime beaucoup la musique, comme vous l'avez vu, j'ai construit mon film, pas la version cinéma parce qu'on n'avait pas le temps, toujours problème du temps, mais la version DVD comme un opéra en plusieurs actes, avec une part importante dédiée à la musique. Et donc le Graal chez Wagner, le château du Graal, on y arrive par un souterrain. Donc on rejoint l'idée du souterrain. Alors, on a la Croix-Rousse, on a le Mont Salvage, on a une grosse pierre, on a des souterrains, comme quelque chose commence à se construire sans que je fasse quoi que ce soit, il suffit de regarder. Et puis, cette grosse pierre, elle a un nom, comme vous le savez, lapis exilis, la pierre tombée du ciel, ex coelis, hein, qui donc est une météorite, vraisemblablement, peut-être. Et puis le mot s'est, au cours du Moyen-Âge, altéré, et alors là c'est devenu, enfin les bras en tombent, c'est devenu pour certains lapis textilis. Exilis est devenu textilis. Alors si vous connaissez un peu le nom, la colline de la Croix-Rousse, c'est la colline des tisseurs. Eh oui, qui font du textile. Et puis ça va encore plus loin, parce que si on prend la mythologie du Graal, sur cette pierre s'écrivent des textes chez Eschenbach. Le nom des chevaliers qui sont appelés à servir de Graal, le Graal, va apparaître inscrit sur la pierre et dès qu'on l'aura lu, il s'effacera. Donc c'est une pierre texte. C'est intéressant. En plus, que le texte et le textile soient le même mot, ça nous ramène aux Nornes. Hein, qui tisse les fils de la destinée. Ah, donc les fils de la destinée se tissent à la Croix-Rousse, et c'est face à là. Vous voyez comment on commence à construire, je ne dis pas que c'est la réalité, mais une histoire qui tient debout, enfin, jusqu'à preuve du contraire. Et en plus, cette pierre, là vous allez voir le plan, je vous le raconte avant, ça je n'aurai pas à le faire après, elle a une magie. C'est que vous vous mettez devant pendant 10 minutes, montre en main, même généralement beaucoup moins, et vous voyez un enfant qui arrive, qui court et qui monte dessus. C'est automatique. À tel point, et là j'en suis, et là on dit merci au cinéma, et à celui qui a permis le cinéma, c'est-à-dire le grand cinéaste de l'univers, comme on pourrait dire. Et donc, un jour j'ai voulu filmer la pierre au soleil levant, à 7 heures du matin.
personne sur le boulevard de la Croix-Rousse, je mets ma caméra, je filme la pire parce que je voulais voir le soleil se lever derrière. Et à ce moment-là, arrive une petite fille en courant, toute seule, et qui monte sur la pierre et qui se met à invectiver les mouettes qui lui tournent autour. Et la caméra tournait, mais on dit merci. On dit merci, et en plus, c'était évidemment pour le jour de l'équinoxe. Alors, soit l'équinoxe de printemps, c'est l'équinoxe d'automne en l'occurrence, mais si c'est l'équinoxe de printemps, c'est assez proche du Vendredi Saint, et donc de l'enchantement du Vendredi Saint. Vous voyez comment les choses se sont construites. Alors, et pour finir cette petite présentation de la séquence que vous allez voir, je suis aperçu pourquoi j'allais filmer cette pierre à 7h du matin au mois de septembre, vers le 20 septembre, parce que je voulais vérifier par le cinéma, non pas que les enfants montaient dessus à 7h du matin, mais que à 7h du matin, le soleil se levait dans l'axe du boulevard. Ce qui montrait que le boulevard de la Croix-Rousse, que personne ne l'a dit, il suffit de le voir, est orienté strictement est-ouest par rapport à l'équinoxe. Ce qui est le signe d'une construction sacrée. Et comme vous allez le voir, les arêtes de poissons, les souterrains, sont aussi orientés par rapport à cette orientation est-ouest. Alors donc, il raconte une histoire. Donc, je voulais vous montrer cette séquence. Je ne la montre pas d'habitude parce qu'elle est un peu longue. Mais là, vu le sujet, vous voyez, on est en plein dedans. Alors, je vais y revenir après pour vous donner tous les détails qui pourront nous amener à mieux connaître le Graal. Donc, on va voir cette séquence un peu longue, je suis désolé, encore une fois. Vous reconnaîtrez, comme j'aime bien la musique, les oreilles musicales reconnaîtront un petit extrait du Parsifal de Wagner, ce qui fera le lien avec Silberberg, bien sûr. On l'appelait la citadelle Saint-Sébastien, ou encore la citadelle du Mont Sauvage, les anciens noms de la colline de la Croix-Rousse. Il date du Moyen-Âge. Le Mont Sauvage. Ce nom réveille en moi tout un univers de légendes. Une terre désolée, sauvage. Où il n'y avait sans doute sur la colline que des ronces, des buissons et des bois. Sans doute un souvenir du bois sacré des anciens qui entourait le sanctuaire des Trois Gaules. Un soir, j'eus l'intuition que ce mont sauvage était le mont Salvage, le mont Sauveur, le Mount Salvage, où se dressait une mystérieuse forteresse décrite par le troubadour rhénan Wolfram von Eschenbach. C'était le château du Graal. Il y avait Amfortas, le roi pêcheur. Il était protégé par des chevaliers appelés Templiers. Il portait peut-être de blancs manteaux, avec une croix rouge ou rousse. Il y avait des femmes, des prêtresses, les servantes du Graal. Le Graal, la fameuse coupe qui recueillit le sang du Christ. Le Graal, le chaudron magique des dieux celtes d'Agda et Lug. Lug, qui donna son nom à l'une des collines de Lugdunum. Le Graal, c'est une pierre pour Wolfram von Eschenbach. La pierre exilée. Exilis. Ex Caelis. Tombée des cieux. Dans le cœur de la terre. Une pierre de feu. Un phénix. Elle ne s'éteint jamais. On dit aussi une pierre textilis, textile, car à sa surface s'écrivent des textes formant le nom des chevaliers appelés à garder le Graal.
comme la pierre elle-même, ces textes viennent des étoiles. Ces chevaliers sont des astronomes. En déchiffrant le Graal, ils déchiffrent le ciel. Le Graal, une pierre d'abondance et d'immortalité. Tous les vendredis saints, selon Wolfram von Eschenbach, une colombe, peut-être un enfant, vient sur la pierre et la recharge de ses vertus magiques. Malgré leur nom, les arêtes de poissons n'ont pas accueilli le roi pêcheur. Et cette pierre placée dans la galerie qui mène à l'extension nord n'est pas le Graal. Juste un gros caillou. C'est les blocs erratiques qu'on peut retrouver dans la moraine, donc ils ont été charriés par les glaciers, donc qui sont présents dans le substrat de la colline, hein, ponctuellement. Laissé en place probablement par les ouvriers qui ont vidé les galeries donc dans les années 1960. À mon avis, pour des raisons soit symboliques, hein, encore maintenant, certains objets sont laissés dans les galeries lorsqu'ils sont découverts, soit tout simplement parce que les ouvriers n'avaient pas envie de charrier ce gros bloc, trop difficile à remonter. C'est, si on veut, le symbole des arêtes de poissons. Ce gros caillou, qu'on appelle le gardien, me semble être le gardien d'un nouveau mystère. Pourquoi est-il comme un écho en bas de cet autre gros caillou qui est en haut, au commencement du boulevard? Qu'a-t-on voulu dire avec ces deux monolithes qui se répondent? Le 21 septembre, jour de l'équinoxe, le soleil se lève dans l'axe du boulevard. Ce qui montre que cette partie du boulevard épouse une ligne est-ouest. Le boulevard est parallèle à l'équateur de la Terre. Une simple coïncidence. Ou la volonté de donner à ce lieu une dimension cosmique. L'extension nord des souterrains suit le même axe que le boulevard. Cette orientation a-t-elle été dictée par ce même désir cosmique? Les dorsales des galeries en arêtes de poissons ne suivent pas du tout l'axe est-ouest. Elles forment un angle de 23,5 degrés avec la direction de l'est. 23,5 degrés. Après les cours de latin du lycée Ampère, voici les cours de géographie qui remontent à la surface de mes souvenirs. C'est l'inclinaison de l'équateur de la Terre sur le plan de l'écliptique. C'est-à-dire le plan du cercle que décrit notre planète en tournant autour du Soleil. Comme si je répondais à une sorte d'invitation.
je prolonge la ligne que forment les dorsales des arêtes de poissons vers l'est. Je traverse l'Italie, près du mont Gargan. La Grèce, au-dessus des ruines de Delphes. La Méditerranée orientale. Et j'arrive au nord de Jérusalem, en Galilée, à 5 km de Nazareth. Tout cela n'est qu'une somme de coïncidences. Quand on trace une ligne, il faut bien qu'elle passe quelque part. Et la Méditerranée ne manque pas de lieux extraordinaires. Cet angle de 23,5 degrés n'est pas venu se nicher par hasard dans les galeries des arêtes de poissons. On le retrouve à 2 degrés près dans bien d'autres monuments sur la Terre. Les trois monts Saint-Michel, celui d'Irlande, de Cornouailles et de Normandie sont alignés. Et cette ligne forme avec l'équateur ce même angle de 23,5 degrés. Tout comme l'axe des jardins du château de Versailles ou l'axe des Champs-Élysées depuis la Défense et la place de l'Étoile jusqu'au Louvre. Me voici bien loin d'une simple architecture militaire destinée à stocker vivres et munitions sous la Croix-Rousse. On parle d'un petit truc et on arrive à un grand truc et qui interpelle. Parce que des coïncidences, c'est plus des hasards, c'est autre chose. Alors, maintenant, je vais entrer dans le vif du sujet pendant le peu de temps qui me reste, mais je vais aller vite. Je vous ai parlé d'un bois sacré dans le film et du sanctuaire des Trois Gaules, parce qu'à cet endroit-là, où il y avait le gros caillou, il y avait vraisemblablement un monument romain construit par l'empereur Auguste qui s'appelait le sanctuaire des Trois Gaules, qui était destiné à faire le sanctuaire fédéral des Trois Gaules, à fédérer les 60 tribus gauloises qui se faisaient la guerre. Et Auguste a eu l'idée de faire un monument pour fédérer le peuple, pour faire la paix, comme une colombe, en quelque sorte. Donc la colline était devenue, dès les Romains, un lieu à la fois magique, à la fois religieux, à la fois politique, et aussi commercial, il faut bien le dire, et c'est aussi un lieu de paix. Ce sanctuaire, on sait à quoi il ressemblait, c'est pas du tout un temple romain, ce qui est très étrange, mais donc j'imagine, sans aucune preuve, que mes souterrains font partie du sanctuaire. Mais j'en sais rien, mais ils sont au même endroit. Et ils datent de la même époque, donc c'est troublant. Et la partie visible du sanctuaire n'est pas du tout un temple romain, style maison de maison carrée de Nîmes, par exemple, ou la Madeleine, qui est une copie d'un temple romain, célèbre aujourd'hui. Et c'est pas du tout ça, c'est deux colonnes, avec un petit parallépipède entre les deux colonnes. Ce qui fait évidemment penser aux deux colonnes d'un autre temple, qui est le temple de Salomon, et on y reviendra tout à l'heure. Deuxième point, mon histoire de Graal, vous allez me dire, c'est complètement tiré par les cheveux. Oui, je me posais des questions, et puis, en cherchant, j'ai pas filmé, là, j'ai pas voulu mener, parce que le film, au lieu de faire 3h30, il allait faire 5h, il faut quand même s'arrêter un moment, je me suis aperçu que Lyon avait un rapport avec le Graal, puisqu'il existe, il y a deux rivières, hein, le Rhône, que vous avez vu, et puis la Saône, qui se rencontre à Lyon, comme chacun sait. Et en amont de Lyon, sur la Saône, il y a une toute petite île qui s'appelle l'île Barbe. Alors, ce n'est pas du tout une île où on s'ennuie, et qui a donné ainsi, trouvé son nom. L'île Barbe, ça veut dire l'île barbare. C'est-à-dire, c'était une île habitée par les Celtes, qui était censé, et même plus que censé, faire des sacrifices humains. Les chrétiens ont vite colonisé cette île et y ont fait un monastère, une abbaye. Et qui est le fondateur légendaire, enfin historico-légendaire de ce monastère? C'est un Romain converti au christianisme qui s'appelle Longinus. Longinus, Longin, fonde l'abbaye de l'île Barbe. Bon, voilà maintenant avec la Sainte Lance.
ou du moins celui qui la supportait. Ben, ça n'a rien à voir avec le vrai Longin, parce qu'il était mort depuis 300 ans, le vrai Longin. Mais il y a quand même une référence très précise qui va se matérialiser, puisque Charlemagne va faire un séjour sur cette île, et il l'a trouvé à son goût, et les moines vont découvrir que sur le Ril, il y a le Graal. Une coupe. Alors, c'est pas une pierre, c'est une coupe. Et tous les ans, il la montre, le jeudi, le jour de l'Ascension, il la montre aux Lyonnais. Ça, c'est historique, jusqu'au milieu du XVIe siècle. Où à ce moment, la coupe a été volée par les protestants. Bon. Donc, l'histoire du Graal ne vient pas là comme un cheveu sur la soupe. Et vraisemblablement, comme vous l'avez vu, mes souterrains, on peut les prolonger du Rhône. Ça n'a pas été fouillé ni inventorié, mais on doit pouvoir le faire. Et traverse tout le plateau de la Croix-Rousse pour retomber vers la Saône. Et certainement aller jusqu'à Lindbarm, puisque des souterrains sont avérés être sous l'abbaye. Donc on a le sanctuaire romain, mais qui fait penser plutôt à un sanctuaire soit hébraïque, soit celte, puisque tous les prêtres du sanctuaire des Trois Gaules étaient des druides. Forcément, puisque c'est un monument destiné aux Gaulois. C'est pour ça que ça ne correspond pas à un plan romain. Ensuite, si on continue à descendre l'histoire, on s'aperçoit que les fameux Templiers qui gardaient le Graal viennent à Lyon, enfin sont à Lyon, ont une commanderie importante, et que l'un des grand maître de l'ordre du Temple les plus connus est Guillaume de Beaujeu, et qui séjourne à Lyon pendant 2 ans au moment où il est nommé grand maître de l'ordre du Temple. Et qu'est-ce qu'il fait à Lyon? On n'en sait rien. Peut-être s'occupe-t-il de trouver une cache pour quelque objet qu'il ramènerait de Palestine. J'en sais rien. Mais bon, voilà encore une piste qui s'ouvre. Autre piste, si on continue l'histoire, et là on tisse. Vous avez parlé des tisseurs tout à l'heure. Donc on tisse l'histoire, et on arrive à la Renaissance. Et à la Renaissance, vous avez... je pourrais en parler très longtemps, je vais aller vite. Vous avez un Lyonnais qui s'appelle Grolier de Servières, qui est l'un des plus grands bibliophiles de toute la Renaissance européenne, et qui est le mécène d'Aldé Manucci, qui est l'éditeur d'un livre célèbre, qui est Le Songe de Polyphile, et qui a un contenu graalique évident. Ça commence par le personnage qui se promène dans une forêt obscure, etc. On est à la fois chez Dante, etc. Vous avez aussi un écrivain célèbre, que tout le monde connaît, qui séjourne 3 ans à Lyon, qui est Rabelais, qui publie ses ouvrages. Et dans ce dernier ouvrage, il est question de Pantagruel, qui, avec Panurge, vont enfin trouver la dive bouteille. La dive bouteille, qui est un récipient où il y a du vin rouge, mais c'est peut-être du sang. On peut imaginer que le vin se transforme en sang, n'est-ce pas? Et où se trouve cette dive bouteille? Eh bien, Panurge et Pantagruel rencontrent une prêtresse qui s'appelle Bacbuc et qui leur dit qu'il se trouve dans un souterrain, par lesquels on descend par des échelles, enfin des paliers, 10 paliers, tétrades pythagoriques, dit Rabelais, et pour trouver la dive bouteille qui est à la fois une coupe, un récipient qui contient du vin, et puis surtout un oracle qui donne donc des prévisions sur l'avenir et qui a la connaissance en fait du passé, du présent, du futur. C'est un peu un des attributs du Graal quelque part. Enfin, si on continue, parce que c'est ce qui m'a donné envie en fait de faire le film, c'est qu'en 1796, on s'aperçoit qu'un personnage, un soyeux, bien entendu, on reste dans le textile, qui s'appelle Jean-Baptiste Villermoz, et qui est un franc-maçon célèbre, achète tout le terrain qui est au-dessus de mes souterrains. Pourquoi est-ce qu'il l'achète? Il ne le dit pas. Mais comme s'il savait qu'il y avait, sous sa propriété, des souterrains. Or, ce Jean-Baptiste Villermoz est intéressant puisqu'il nous fait un rite maçonnique qui est d'inspiration templière, inspiré d'un mouvement maçonnique allemand qui s'appelle la stricte observance templière, à laquelle avaient adhéré Goethe et Mozart. Voilà. Donc, on retrouve à nouveau nos templiers, on retrouve le Graal, on retrouve toute une... En plus, Villermoz dit que, évidemment, comme il est maçon, il nous parle du temple de Salomon et de ses 2 colonnes, comme je vous parlais tout à l'heure. Et puis il nous dit qu'à l'entrée du temple de Salomon, dans la symbolique
de sa maçonnerie, il y a un pavé mosaïque qui, dit-il, recouvre l'entrée du souterrain du temple. Donc il y a des souterrains sous le temple de Salomon. C'est pour ça que le film, bah, si vous avez le DVD, m'a conduit jusqu'à Jérusalem et j'ai voulu voir s'il y avait bien des souterrains sous le temple de Salomon. Il y en a beaucoup. Il ne ressemble pas aux arêtes de poisson, mais il y en a beaucoup. Mais le temple de Salomon nous amène à Jérusalem, qui quand même a un rapport avec le Graal. Je passerai, parce que je n'ai pas le temps, sur la rivée de Cagliostro. Oui, c'est bien, j'arrive au bout. Sur la rivée de Cagliostro, qui veut rencontrer Vuillermoz pour lui arracher son secret. En vain. Après, pour finir, on arrive avec le testament de Vuillermoz qui demande à ce qu'on construise au-dessus des souterrains, ou de sa propriété, donc, une église qui doit impérativement s'appeler l'église Saint-Bernard. Voilà encore une coïncidence étrange. Et pour finir, on a encore deux personnages, et j'arriverai à la conclusion, qui sont d'une part un architecte célèbre qui s'appelle Tony Garnier, qui, à l'endroit où se trouve le gros caillou, voulait construire un grand monument aux morts en 1918 pour fédérer, comme le sanctuaire des Trois Gaules, pour fédérer les Allemands et les Français. Ce n'était pas du tout dans un esprit revanchard ou pleurnichard, c'était au contraire pour essayer d'arriver à une paix universelle. Et ce projet, qui est en forme de temple antique, il l'appelle le projet Athéna, aux yeux perses. Mais Jean Trouillard nous en parlera tout à l'heure, les yeux pères. Et puis, 30 ans plus tard, un curé édifie une grande statue de la Vierge, 30 mètres de haut, à 15 km des mi-souterrains, mais on a découvert qu'il y avait un souterrain antique qui reliait la Croix-Rousse à ce lieu qui s'appelle Miribel, lieu mirabilis, lieu extraordinaire, sur lequel un curé fait une statue de la Vierge, réunissant ainsi un monde païen, un monde druide, un monde romain, un monde chrétien. Voilà en quoi le syncrétisme du Graal trouve ici une sorte d'illustration. J'ai pas parlé, mais c'est, vous l'avez compris, que le Graal aussi a une dimension cosmique. Et il est relié aux étoiles. Alors, pour finir et pour conclure cette rencontre fortuite, qu'en déduire? Que j'ai fait, à mon sens, soit preuve de ce qu'Umberto Eco appellerait le délire interprétatif. C'est-à-dire tout est dans tout et réciproquement. Et voilà, bon, on a circulé, il n'y a rien à voir. Tout n'est que hasard, incohérence, bruit et fureur, point final, c'est terminé. Ce que je ne pense pas personnellement, c'est pour ça que je fais des films et que j'en fais, j'espère, encore d'autres. Et je pense qu'il y a trop d'indices pour que cela soit anodin, qu'en fait, ce que j'ai fait, comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, j'ai touché aux archétypes. Et le lieu, enfin moi, je n'y suis pour rien, le lieu de la Croix-Rousse avec ses souterrains touche au monde archétypal. Et quand vous touchez à l'archétype, tout se débobine pour rester dans la soirée. Hein. C'est-à-dire qu'on tire le fil et vroom, un texte magnifique apparaît, qui est peut-être une fiction, peut-être pas, mais qui est sans doute un rapport avec l'imaginal. Et si on dit que, pour suivre le principe hermétiste et alchimique, que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. En haut, si vous regardez les étoiles, les astronomes vous disent qu'il y a des trous noirs où on sort de l'espace-temps. Et si vous regardez en bas, la Terre, vous verrez qu'il peut y avoir des trous noirs qui conduisent à des souterrains où l'espace-temps, là aussi, est aboli. Et donc, quelque part, ben, c'est ce dont j'ai fait l'expérience. Et que dans ce film est le récit. Mais c'est une expérience longue parce que je suis allé beaucoup plus loin que ce que je vous ai dit en quelques minutes. Merci. Bon, s'il y a des questions. Deux, trois questions. Petit temps pour les questions. Ça vous laisse pantois. Pourquoi la ville de Lyon ne continue pas puisque ça continue visiblement les recherches. Parce qu'il faut garder le secret. Et non, mais c'est vrai, je dis ça en plaisantant, mais c'est vrai, ils pourraient très bien le faire. Et ils ne veulent pas qu'on visite non plus les souterrains. Il y a une petite querelle entre ceux qui sont partisans de trahir le secret.
dire organiser des visites. Alors on va mettre des ascenseurs, des néons partout, on va tout nettoyer, et à ce moment-là, autant se promener dans les couloirs du métro. Bon, donc il faut garder le secret. Et comme la légende de Lyon, le mythe de Lyon, c'est quand même une ville un peu secrète, on touche là le sens même de la ville, qui a quelque part, j'en suis convaincu, un secret. Et qui, ce secret, a quelque part quelque chose à voir avec celui du Graal. Le primat des Gaules, c'est peut-être aussi quelque chose, mais ça, ils ne veulent pas non plus en parler. Hein. Ni j'ai pas parlé non plus de l'abbé Lacuria, qui invente le christianisme pythagoricien, en 1850 à Lyon, chassé par Monseigneur de Bonald, parce que pour hérésie. Mais le christianisme pythagoricien, il peut nous faire penser à une dimension du Graal qui est une dimension géométrique. À mon sens, entre autres, qu'on retrouve aussi dans l'ordre du temple. Enfin, d'autres. Oui, on reste un peu, comment dirais-je, méditatif après cette présentation. Parce que je suis né à Lyon, alors évidemment, ça résonne encore plus que. Voilà. La question que je me pose, c'est que vous n'avez pas évoqué Fourvière. Or, quand on est lyonnais, on sait bien que la colline la plus emblématique de Lyon, enfin l'origine de Lyon, c'est Fourvière. Et je pense que ça vient de Forum, le Forum romain. Le vieux Forum. Le vieux Forum. Alors erreur. Pour vous répondre à votre question. La question c'est, juste comme ça intuitivement, si la Croix-Rousse c'est le Mont Sauvage, est-ce que c'est tout simplement pas par opposition au Mont urbain, le Mont habité qui aurait été Fourvière? Et le mont, sauvage, resté inhabité. Est-ce que c'est pas une forme de dualité, alors, tout simplement, entre les deux collines principales de Lyon? Vous avez raison, en partie. Quelqu'un qui s'est trompé, mais dont la formule a fait florès, en divisant Lyon en deux collines, la colline qui prie, c'est-à-dire Fourvière, et la colline qui travaille avec les fameux canuts, c'est-à-dire la Croix-Rousse. Ce qui est juste au XIXe siècle, puisque tous les terrains ont été vendus aux industriels pour y faire des maisons de tisseurs. Mais avant, on s'aperçoit qu'au XVIIIe, XVIIe, XVIe, la colline qui prie, c'est pas Fourvière, c'est la Croix-Rousse. Elle est couverte de monastères, d'abbayes, je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais on les retrouve dans le périmètre des arêtes de poissons. Vous avez 15 abbayes. Les Collinettes, les Bernardines, les prêtres violets de la Passion, etc., etc. Vous en avez toute une, autant sinon plus que Fourvière. Et la ville qui travaillait, elle était en bas, en fait. Et comme la Révolution a chassé les congrégations religieuses, les terrains étaient libres, et toute la colline s'est urbanisée en cité ouvrière. Alors, effectivement, pour répondre rapidement à votre question, les Romains ont choisi Fourvière pour s'installer, et ils ont donné la Croix-Rousse au sanctuaire gaulois. C'était pas vide. Et c'est pour ça aussi que je parle du bois sacré. Enfin, Strabon parle d'un bois sacré qui entourait le fameux sanctuaire des Trois Gaules, plus l'amphithéâtre des Trois Gaules qu'on a retrouvé d'ailleurs, c'était juste à côté. Et puis après, c'est tombé en ruine, puis après, c'est reconstruit, puis après, les congrégations religieuses, etc., etc. Oui. C'était vraiment passionnant. Et vous en avez parlé un petit peu, mais est-ce que vous pourriez parler aussi de votre voyage intérieur à travers cette découverte du Graal, entre guillemets, par ces souterrains, si je me permets. Oui, vous avez raison. Peut-être, je ne sais pas, c'est une question très intéressante qu'on peut peut-être se réserver pour la table ronde. Oh, j'en dis deux mots. Bon. Et puis on a. Non, mais juste deux mots spontanément. Bah oui, parce que j'ai mis 5 ans pour faire le film, et en 5 ans, il se passe des choses, et les souterrains ont transformé ma vie. Mais enfin, comme quand on fait une œuvre, elle vous transforme, quelle qu'elle soit. Mais celle-là, oui. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a l'archétype du Graal derrière? Peut-être, peut-être pas, ça on pourrait en parler longtemps. Cela dit, c'est comme Rennes-le-Château. Rennes-le-Château transforme la vie des gens qui y vont, mais qui s'y intéressent d'un peu près ou d'un peu trop près. Il y a des tas d'exemples. Parfois, même l'affaire Bétex, un peu cruelle. C'est ça. De même, l'alchimie. Vous intéressez à l'alchimie, ça transforme aussi la ville. L'alchimiste est obligé de, c'est sans cela que c'est une science moderne, comme dans la physique quantique, de s'impliquer dans l'objet de son expérimentation. Et le cinéaste, il est obligé aussi de s'impliquer dans son expérimentation, d'où le voyage intérieur, forcément.
Bien, on va peut-être...